Sympa cette petite musique, j'espère qu'on ne se fera pas striker sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle découverte sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, pas de sim racing, pas de simulation, ce n'est pas encore iRacing, soyez patients. C'est plutôt de l'arcade et un jeu qui a l'air bien délirant. En tout cas, pour ceux qui l'auront reconnu, et c'est marqué dessus, ça s'appelle Tabletop Racing World Tour. Alors c'est dispo depuis le 1er janvier, je crois, le 31 janvier 2013, ça commence à dater sur iOS et Android, et ça débarque en fait sur les stores PlayStation, Xbox et PC, avec une version 60 FPS, Full HD, tout ce que vous voulez. Et on va faire une petite découverte ensemble, comme on a l'habitude de le faire avec ce genre de jeu. Alors pour petite information, je ne suis pas au volant bien sûr, je suis à la manette. Alors... le jeu est en anglais, évidemment. Alors, on a garage, multijoueur, special events, événements spéciaux et championship. Bah écoutez, on va aller dans le garage puisque c'est la première chose qu'on nous demande. Alors, il faut savoir que les voitures qui sont là-dedans sont aspirées de voitures bien connues. Ah, il y a Breaking Bad. On adore la référence, évidemment. Leviathan, ça, je n'ai pas la référence. Bugrat, ok. Et alors, ici, Brawler, c'est une Dodge, je crois. Charger, qui me rappelle un petit peu... comment s'appelle ce jeu? Driver, putain, je suis fatigué. Alors, niveau budget, on en est où? 13 500, donc on ne peut déjà pas prendre celle-ci, donc c'est très gentil de nous la proposer. On ne peut pas prendre ça non plus. Donc on a le choix entre le pick-up Ford et la Beetle. Bon, c'est quoi? Go pour la Beetle. Alors, top speed, naze, accélération, naze. Tenue en main, naze, mais on a de l'armure. Écoute, on va l'acheter pour ce prix-là, puisqu'on n'a pas trop le choix. Alors, roulons. Sélectionnez championnat dans le menu en dessous pour découvrir le monde de Tabletop Racing. Gagner des pièces, des trophées, et débloquer plus de courses et concourir dans les events. Prenez des points d'expérience pour débloquer plus d'événements spéciaux. Ok, j'ai compris. Bah écoutez, oui, j'ai compris. Alors, on a classe amateur. On va commencer par là. Alors, Spark Plug Trophy. Alors, Championship. To win a Championship Trophy, vous devez d'abord battre les événements de la finale avec un minimum. Il fallait au moins avoir bronze. Start, donc on gagne, on s'améliore. Typical jeu amélioré. Les courses de combat avec une full. Une grille pleine, pardon. Avec des power-up d'attaque et de défense, collectez-les en conduisant à travers les bulles. Ok, écoute, on a plutôt compris, c'est un Mario Kart-like, hein, on va dire ça comme ça. Alors, accélérer, freiner, regarder en arrière, caméra haute, le volant, ok, d'accord. Alors, on découvre les environnements. Alors, un petit peu d'aliasing, mais c'est plutôt beau. Alors, est-ce qu'il y a des super départs? Il n'y a pas de super départ. Donc, on est parti. Est-ce qu'on a des vues? Ouais, plus loin ou plus proche. Oh là là, ça fout la gerbe. Oh, attention, on vient de se prendre une bonbonne de peinture. Alors, il faut essayer d'aller choper les bonus. Non, j'ai chu, presque. Alors, j'ai eu un petit boost. Ok, c'est assez fluide pour l'instant. Alors, il y a 3 tours. Petite musique. Alors, hop, on chope un nouveau bonus. On a roquette, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, d'accord, on peut balancer des roquettes. Donc c'est un peu des carapaces rouges. Si vous connaissez un jeu sur Nintendo qui s'appelle, évidemment, Mario Kart. Oh, ça va aller vite, faut qu'on fasse gaffe. Oh, et les autres peuvent évidemment nous balancer des roquettes. Par contre, on va voir l'intelligence des bots avec ce niveau de skill. Alors, est-ce que c'est à chaque fois les mêmes bonus? Non, là, on a un boost. Bah écoutez, on va attendre la dernière ligne droite pour balancer le boost. Oh, on s'est fait foutre dehors. Ah bah voilà. Et là, je pense que même avec le boost, c'est foutu. Ah bah ça commence bien cette première course. Donc on doit prendre la médaille de bronze. Donc visiblement, on est nul. Je pense que c'est le bilan. Et oui, cinquième. Donc on peut réessayer ce qu'on va faire tout de suite. Petit temps de chargement. Assez rapide, c'est cool. Allez, cette fois-ci, on va se concentrer. Fini la découverte du gameplay le plus avancé de l'humanité. On a un petit peu... J'adore le van de Breaking Bad, c'est vraiment con, mais j'adore. Allez, casse-toi. Laisse-moi passer. Hop, ça passe. Alors l'ambiance est plutôt sympa. Musique rythmée, on passe sur des filtres à...
des filtres à huile et des filtres à essence, c'est marrant. Alors on va conclure déjà le premier tour. Ça va très vite, on n'a pas chopé de bonus dans ce premier tour. Oh la mini! Oh elle est mignonne la mini! Allez, le petit boost. Oh là, on s'est évité une roquette. Petite musique de reggae là au calme. Je sais pas trop le... Qui est DJ ici? Ah, on passe sous les crics. Non, c'est... le monde est plutôt bien foutu. Alors évidemment, pour les plus vieux d'entre vous, ça va vous rappeler... Eh bien, ah, micro machine, je me suis fait défoncer. J'ai lâché une bombe, sans jeu de mots. Et on est dans le dernier tour, donc ça va pas le faire encore une fois. Deuxième tentative foutue. Eh, c'est pas facile, hein. Je vais être le seul mec sur YouTube à avoir recommencé cette course 4 fois. Eh, c'est chaud, hein. Eh bien, sixième, encore pire. Bon, on va faire septième, on va la recommencer. On va passer, tant pis. C'est pas grave. Alors, on peut gagner des upgrades dans le garage. Est-ce qu'on peut aller au garage? Est-ce qu'on a droit à quelque chose? Alors, niveau budget, on a que 2400. Est-ce qu'on peut améliorer? Oui. Alors, on peut changer les roues. Weapon wheels. Ok, donc on peut ajouter des features aux roues qui nous permettent d'avoir des bonus. Vous voyez que niveau crédit, faut y aller. Hein. Faut jouer un petit peu. Ah, on a des skins. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. On n'a pas choupette, je suis un peu déçu. Ce dont on aurait besoin, c'est peut-être d'accélération et d'un boost. Ouais, on peut pas faire plus de toute façon au niveau des pneus. On va mettre les bleus, peut-être pour le drift, ça change peut-être quelque chose. En tout cas, on l'a amélioré, on va tenter de continuer si ça va mieux avec ça. Alors on va derrière une McLaren P1. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des voitures qui ont l'air d'être sous licence. Mais en fait elles ne le sont pas, donc vous allez retrouver pas mal de voitures que vous connaissez bien. Mais évidemment ces dernières ne seront pas licencées. Rhythm is love, ah on a bien, on a le titre de la musique dans le bas. Petit détail mais ça plaira à ceux qui sont mélomanes. Alors faut vraiment que je me concentre parce qu'avec le pad 360, ah j'ai le, d'accord j'ai le drift. Oh j'ai évité une bombe. Allez, ah on peut drifter, ok, donc ça change déjà le comportement de la bagnole. C'est plutôt sympa. Bon, allez, on fait l'intérieur. Est-ce qu'on peut choper les boosts? Alors ce qui est assez chiant, c'est qu'on chope les boosts, mais j'ai l'impression qu'eux n'en chopent pas. Allez, bouge. Laisse-moi ma puissance. Hop, une petite bombe. Allez, salut. A plus. Donc les autres ne chopent pas les bonus, et ça c'est un peu dommage. Petit boost là. Allez, hop, on est en tête, ça va déjà mieux. Avec un petit peu plus d'accélération, la voiture se comporte mieux. Hop. Petit coup de frein. Eh, le drift, c'est pas mal pour gagner du temps. Petite bombe, on va la lâcher juste là au coin. Histoire d'être tranquille. Et on a un dernier boost qu'on va mettre dans la ligne droite. Et bim. Voilà, ça passe. Donc oui, les premières courses, c'est pour farmer une fois que vous avez une ou deux améliorations. Et ça passe un petit peu mieux. Bon, on y est arrivé, finalement, à rentrer dans le top 3. Récompense. Donc on sent vraiment l'adaptation d'un jeu vraiment... tablette avec ben, les piécettes, les récompenses et les 3 étoiles. Alors on débloque 2 nouvelles épreuves. On va continuer, on va passer un petit moment ensemble. On va découvrir ce jeu à notre rythme. On va essayer de voir si on peut acheter une autre voiture, peut-être un petit peu mieux. Les temps de chargement ne sont pas trop longs. Jusque là ça va. Alors on est dans une cuisine. Alors on va voir un peu les environnements. Je sais pas combien il y a d'environnements, combien il y a de voitures, tout ça. On verra bien. Allez, on démarre avec choupette toute verte. Alors attention, il y a du saumon, il y a des sushis je crois. Ah, c'est une table à sushis, pardon, je me voyais déjà dans une cuisine. Alors petit boost. On va le garder. Ah d'accord, je viens de comprendre, on n'est pas en course, pardon. On est en time trial. D'accord, il faut faire du lapping. On continue. Alors ça, la tablette, ça doit être un peu plus fun, je pense. Que là, sincèrement, c'est pas top. Mais précision incroyable avec un simple pad 360, ça fait le boulot. Bon, les environnements, pour l'instant, sont assez sympas. Donc un petit peu d'aliasing dû, je pense, au upscale d'un...
d'un jeu tablette. Et vous savez ce que je pense quand je vois ça? Je me dis, imaginez Real Racing 3 adapté. Ce serait démentiel d'avoir un Real Racing 3 adapté sur PC, parce que le jeu est bourré de licences, a un gameplay qui est simple mais qui pourrait être sympa. Sincèrement, ça me donne des idées. Allez, on a continué avec ce deuxième succès. On poursuit. I got it. Oh, back in the 80s. On retourne dans les années 80. Alors, Hot Lap Challenge, c'est ce qu'on vient de faire. On a 90 secondes pour entrer le meilleur chrono. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les références. Là, il doit y avoir des références. Alors, il y a du Rubik's Cube, il y a des VHS, il y a des lampes. Oh, il y a un Simon à droite. Enfin, ils l'ont appelé Brain Memory. Ah, il y a du... On est dans un vieux garage. Il y a de la... Ah, il y a des... des boules de billard. Alors, vous avez le temps de mater un peu le... C'est génial. Vous avez le temps de mater un petit peu le décor. Moi, j'ai pas trop le temps. On voit un Rubik's Cube, on voit les VHS. Il manque des cartouches Nintendo, là, sincèrement. Oui, vous aviez envie, je l'ai fait. J'ai été tapé dans cette fameuse balle de billard. Allez, le boost dans la ligne droite. Allez, buter le deuxième dé, y a pas de raison, hein. Allez, bim. Est-ce que vous pensez que si on fait un double 6, on a un bonus? Pas sûr. Allez, le boost. Dans la grande courbe. De nouveau un boost. Bon, je pense qu'ils vont nous donner que des boosts à ce niveau-là. Parce que dans un time trial, c'est le plus important. On va pas nous déposer des bombes ou autre chose. Donc c'est juste des boosts de temps. Je suis vraiment pas en train d'optimiser là. Loin de là. Je croyais que c'était une Jaguar qu'on avait vue. La console, hein, pas la... Oui, Jaguar, la console, les amis. Pas la voiture, évidemment. Et là, j'ai complètement foiré mon boost. Musique là, 60 secondes chrono. Et on est large. Ça va être chaud. J'ai dit qu'on était large, mais ça va être très chaud. Oh, on saura pas le rentrer. Oh, on le rentrera pas. Et dommage. Ah, si, ça passe, pardon. C'est le meilleur chrono. Je pensais qu'il fallait aligner un certain nombre de tours, navré. Et pluie de boulets, 8100 coins, 8100 pièces. Est-ce qu'on continue ou on va améliorer la voiture? Non, on continue. On va essayer de mettre de côté. On a un petit peu une idée des adversaires. On a ce qu'il y a aussi comme bonus. Vous voyez qu'il y a des bonus différents. Bombe, boost, grenade et tonnerre. En mode combat. Open wheel weapons, 5 laps, donc 5 tours. Donc je pense qu'on peut se collecter un petit garage sympa. Les rondelles d'oignons et de concombres, je viens de les voir sur le côté, ça c'est marrant. Alors, de retour dans le garage. Alors, il y a des disques de frein, il y a des marteaux, il y a des perceuses. Oh, ça c'est plutôt sympa. Allez, on retrouve nos adversaires de tout à l'heure. On est reparti. Je sais pas si c'était... Oh, il y a des bougies. Non, mais ça n'a pas de sens. Oh, un petit peu de lag. Un petit peu de lag. Je sais pas si c'est dû à la capture ou non. Alors, les adversaires, hop, se sont pris un petit... Ah, je suis électrisé, ok. Donc c'est pas envoyer du tonnerre sur les autres, c'est se rendre électrique pour aller les électrocuter. Ok, je comprends. Quand ils sont trop proches de vous. Ça envoie une onde au sol. Alors un petit peu de blur, évidemment. Si vous avez connu ce jeu, c'était sur Xbox 360. Hop, ça ne servait absolument à rien parce que j'étais premier, mais il fallait que je m'en débarrasse si j'en voulais un autre. On me remet une roquette, ce qui ne sert de nouveau à rien. Donc on va s'en débarrasser tout de suite pour avoir un autre bonus. Un autre bonus. Hop, le voilà, une bombe. Où est-ce qu'on peut lâcher la bombe? On va la mettre juste ici. Je sais pas si quelqu'un va la prendre. Ah, mine attack 100. Peut-être que ça veut dire que on a touché quelqu'un, qui sait. On va pas très bien derrière. Allez, on reprend. Et de nouveau la roquette. Toujours pas la salade, évidemment, vous comprenez bien. Franchement, il est sympa ce décor. Bon, on va faire ça, parce que sinon, on est mal. Mais on est tout seul. Pour l'instant... Il y a peut-être un qui revient sur nous, mais... On peut rien faire. Oh, il nous revient dessus, et on passe la ligne tout juste. Premier. Le filtre à air et tout. Non, c'est vraiment sympa, sincèrement. Ça fait le café. Alors après... à détente avec les potes, hein. Vraiment, c'est pas... Vous allez pas tryhard. Alors, 90 secondes, route A. Pluie de champagne. On est sur une table de, je pense, de réception de jardin.
Pour l'instant, pas de répétition des mondes. Donc il y a l'air d'avoir quand même du contenu assez conséquent. Et nous découvrons un magnifique bateau dans la principauté de Monaco. Et c'est parti, drapeau. L'Union Jack qui vole. Donc on est sur un bateau anglais MDR. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Absolument rien. Dommage, si ce n'est perdre du temps. Allez, un petit strike. D'accord. Non, personne ne boit des canettes et ne mange de la baguette. Ah, des coques au chocolat! Et pas des chocolatines, hein. Merci. Je ne vais pas rouvrir le débat dans mes commentaires, j'en ai déjà vu assez chez tout le monde. Allez, pluie de boost. Avec toujours nos pneus drift. Ah, j'ai cru que j'allais le choper celui-là. Salopio. Hein. Broug au lieu de Moum. Très bon le rapport au champagne, évidemment. Alors, il doit y avoir des références marquées. Non, mais comment je l'ai pas là? Non, mais la hitbox, non, mais please. S'il vous plaît, soyez tolérant. Allez. Allez, dernier tour, je pense. Il va me rester 17 secondes. Va falloir se merder. J'aimerais bien choper ce boost là. Je ne l'aurai pas, évidemment. Là, je peux peut-être l'avoir. Allez. Il y a moyen que ça passe. Ah, ça va être serré. Oui, c'est bon, on est large. Enfin, large, large. Pas passé loin quand même. Hein. Allez, pluie de boules. 13 200. On va peut-être pouvoir déjà acheter une nouvelle caisse à la fin de cette série. Alors, je ne sais pas si on peut revendre, par contre, la Cox. Alors, pure race. Be the other racers to the finish line. Bon, battez les autres. Pas de power-up du tout, juste le pilotage. Donc, un pilotage propre vous sera bénéfique. Ah, retour sur la toute première map du jeu. Go! Mr. Funky, qui est en train de jouer. Voilà, la mini qui est partie toute seule au talus, là. Donc, pas de boost. Donc là, faut vraiment rouler. Ah! Allez, salut! Heisenberg qui vient de faire une chute terrible dans le jardin. J'allais dire dans l'herbe, mais... Lui, c'est pas l'herbe, MDR. Oh, c'était large, ça. Alors, une fois que la voiture était un petit peu boostée, on arrive à avoir quelque chose de plus... Ah, ils m'ont remis mes roues de base! Ah oui, donc on vous remet la voiture en stock. D'accord. On vous laisse pas vos roues drift ou vos améliorations. Ok, bah, pas de problème. Moi, je suis pas contre. Parce que c'est là qu'on voit les vrais pilotes avec le pur skill MDR. Alors, 3 tours sur 4. Bon, je suis pas fan de la BO, mais ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Alors, je pense que ça s'adresse public. Plutôt un public jeune, évidemment. Moi, je suis un petit peu un vieux con pour ça. Même si je n'ai pas 60 ans, hein, mais... Non! Oh non, l'huile de moteur qui me sera fatale. Tiens, en parlant de ça, le skin Gulf est plutôt pas mal, là. Enfin, STP, pardon, pas Gulf. Oh, j'aimerais bien la gagner. On va essayer d'aller voir si on peut aller faire l'intérieur à la Cox, là. Ça va être chaud. Non, on l'aura pas. Ah, c'est dommage. Juste ce pot d'huile. Juste là, à droite, là, qui nous aura fait défaut. En tout cas, je ne sais pas qui a sanglé les paquets sur le toit, mais ils sont bien harnachés. Allez, 15 500 boules. Donc, visiblement, on va pouvoir bientôt... profiter d'une nouvelle caisse. Alors, 4 tours. Allez, press start. On est go. 2, 1. Allez, c'est parti. On va se méfier de ce van là qui, oui, qui a tendance à ne pas freiner. Est-ce qu'on peut envoyer la mini au talus? Non. C'est serré. Tu ne passeras pas. Bon, pour l'instant, les environnements sont variés, agréables, mais les pistes sont pour moi assez simples. Alors, c'est peut-être que le début du jeu, évidemment, hein, on va pas s'emballer.
Mais ça manque de cut ou de raccourcis, ou alors je les ai peut-être pas encore trouvés. Mais ça manque de... Ouais, là, il y a un cut à droite. Au moment où je le dis, je m'en rends compte. Il y a peut-être pas assez de secrets, ou alors faut vraiment bien fouiller pour les avoir, justement. Ah, à droite, il y en avait encore un. Non, mais vous pouvez pas être sérieux. You can't be serious. Alors, essayez de les prendre, ces cuts. Parce que personne dans l'IA les prend. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout cheaté, quoi. Mec, pour un cut, il se retrouve 2 km devant. Allez, salut les nuls! Allez, le deuxième ici. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur des cuts, ça, ouais. Oh, attention, c'est serré. Et on gagne. Bon, heureusement qu'il y a des cuts pour se rattraper, mais je pense que si vous tryhardez le jeu et que vous les connaissez par cœur, il n'y a plus de compétition. Allez, 3 étoiles. Alors. Championship Final. Ah bah retour dans les 80s, donc visiblement... Alors est-ce que c'est des mondes avec des circuits différents, mais il y a peu de monde, ou est-ce que c'est chaque fois même monde, même circuit, on verra bien. Donc retour, mais ici en version course. C'est parti. On aurait quasiment dit le van de Scooby-Doo, le camping-car. Alors là, on a nos améliorations qui nous sont réattribuées. D'accord, j'ai attaqué un coéquipier, comme dirait... Un jeu de guerre bien connu. Par contre, c'est dommage que les musiques soient pas plus adaptées à l'époque. Non mais les bonus là! Les bonus! Pas possible! Allez, prends-toi une baffe. Ah, elle est drôle. Alors, je vais lâcher une bombe. Salut. Voilà, on a attaqué la muscle car juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit boost, on va le prendre ici. Alors maintenant, je suis en quête de tous les raccourcis. A tel point que je ne vois même plus la piste principale. Et alors, toi, tu me passes comme ça sous le nez, toi. Il n'y a plus de respect chez les jeunes. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, on a une roquette. Allez, bim. Première fois qu'on utilisait, je pense, la roquette à tête chercheuse. Oh! Heureusement que j'ai pris un bonus. Ah! Hey, Jeffrey! Je veux pas un glaçon. Alors. On est proche de la tête. Un nouveau glaçon. Ah non, on l'envoie, d'accord. My bad. Oh, attention, parce que là, j'ai perdu du temps dans le drift. Qu'est-ce qu'on a? On a une roquette. Donc, s'il y en a un qui nous passe dessus, au pire, on peut le roqueter. Et on finit. Alors, je sais pas si le championnat, il y a plusieurs courses, évidemment. Nous sommes niveau 5, incroyable! Pardon. Je suis un peu emballé. Et on va bientôt monter, donc on termine premier avec 15 points, première des 3 courses, voilà. Donc 15 points par course, si je me trompe pas, ça fait 45 en 3 courses, ça veut dire qu'on est pas mal. Alors je me demande si chaque monde n'a pas justement ses cartes, ce serait bien, sinon ce serait un peu limite. Allez, on repart pour une nouvelle épreuve. Pluie de bougies. Littéralement. Oh là, ça. Oh, ça avait envoyé du bonus là. Mais comment il a pu avoir un bonus vu qu'on est passé qu'il n'y en avait pas? Oh, le salaud! Il m'a électrifié. Et parce qu'électrocuté, vous mourrez. Électrifié, vous êtes vivant. Il y a une différence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop! Ah, c'est vraiment pas mal. Bon, les glaçons, c'est une bonne idée. Franchement, les bonus sont pas sortis de voilà de d'années de science et de, mais ils sont pas mal. Il n'y en a pas de cheaté. Alors la tête de mort, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, je fais caca, d'accord. Donc j'ai une diarrhée sur la piste, formidable. Donc c'est une tête de mort. Alors je sais que la période de la grippe est passée, ça va être le rhume des les allergies maintenant. Alors on s'est pas lancé son bonus. Oh, c'est dommage ça, parce que moi je sais prendre le mien. Allez, salut. Donc j'ai littéralement fait une trace sur la piste. Alors, nouvelle trace. Allez, voilà. Ah, la grande classe, évidemment, la finesse. Pouce bleu, MDR. Allez, on a une nouvelle roquette. Et on protège. Même pas besoin. On survole la course, c'est incroyable. Alors...
parie qu'on a 30 points. Oh là là, mais en plus je suis bon en calcul, mais où va-t-on s'arrêter? Fire up weapon. Ah, fire wheel weapon. Ah, je sais pas ce que c'est. Il y a différence entre A et X pour les weapons. Weapons. Alors, retour sur le bateau à Monaco. Encore se taper des pains au chocolat. Hop. On les a électrifiés. Michel, il y a les cooks qui se barrent. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Merci, Michel. Allez, hop. Ah, il fait chaud, hein. Ah, oui. Oh, mon bonus! Oh, Heisenberg, tu fais chier. Bon, alors, évidemment, c'est pas... Non, mais il va tous me les prendre ou je fais un arrêt cardiaque, là? Ah, là, il y en avait pas, t'es déçu, hein. Ah, bah ouais, t'es déçu. Allez, hop, ça, c'est offert par la maison. Non! Je disais, donc, je vous teste éventuellement des jeux que j'aimerais bien découvrir avec vous, mais sans prétention, évidemment, vous le savez. Putain, j'ai cru qu'on avait un... Ah, je ne sais plus quelle est cette musique. C'est Martin Garrix, je pense. Alors, petite glissade. Et on va terminer le dernier tour pour l'instant. On est quatrième, c'est pas la folie. Et là, on n'a pas pris de bonus, c'est encore pire. Ah, on glisse beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Oh là, ça sent mauvais, ça. Oh, je sens qu'on va le payer au classement général si on n'a pas un bonus. On va essayer de garder l'intérieur pour garder un maximum de place. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Ouh là 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 là, ça, c'est pas bon du tout, cette cinquième place. Donc, comme je disais, on va essayer de découvrir ensemble des jeux différents, pas forcément simu. Il y aura de la moto qui va arriver aussi dans les prochains jours. Bon, on termine quatrième. Ce qui, je pense, au global, devrait faire l'affaire. Oui, on est large. On est très large et ça finit donc dans la corbeille. Ah, il y en a un qui n'est pas passé au recyclage. Le podium. Ah ben, on termine premier, formidable. Elle est contente en tout cas. Donc on a gagné le Spark Plug Trophy. Donc trophée des bougies. Ouh là là, oui d'accord. Donc on va arriver à 28 000 crédits. Félicitations, un nouveau championnat a été déverrouillé. Vous pouvez maintenant utiliser n'importe quel car dans le trophée Spark Plug Racing Championship. Ok. Vu qu'on a 3 étoiles partout, merci beaucoup. Alors, le Twin Cam. Alors, le Twin Cam, c'est évidemment le double arbre à cam. Évidemment, c'est assez technique. Voilà. Alors, par contre, au garage, est-ce qu'on peut aller quémander une nouvelle voiture? Ah, il y a catégorie. Ah. Ouh. Bah voilà. Moi, je me pose des questions. Ah, d'accord, il y a Street et Supercar. Bon, on va découvrir les voitures. Elle n'a même pas vu. Donc, une BMW 2002 Turbo, un Land Rover, une Skyline R34. Une Porsche Roof. Ferrari 458. Aston Martin. DB9. McLaren P1. Et Pagani. Salut, Wall Stark. Je sais le garçon, fan de la voiture. Bon bah écoutez, on est à 54 000 pour l'ABM, vous vous doutez bien que, évidemment, je vais garder Choupette pour le moment, mais on va, eh bien, améliorer cette dernière avec une pluie d'argent. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit skin sympa quand même? Moi j'aime bien celui-là. Voilà. Un petit peu, ça fait un peu Eclipsia. Alors, par contre, là, oui, non, ça, c'est beaucoup trop cher en termes de roues. Donc, on va rester avec les roues de drift. Ils sont pas si mal que ça. On va commencer. Alors. Eh oui, chop chop. Commande, commande, chop chop. Je crains vraiment qu'on ait pas de nouveau monde. Eh non, malheureusement. Ouais. Peut-être après, je suis peut-être mauvaise langue. Allez, time trial. On a retiré ce magnifique... ce magnifique porte-bagages. Oh, par contre, ça va plus vite, hein. Alors oui, ça va plus vite. Pour ceux qui se posent la question, les améliorations font une belle différence. Et dans l'accélération et dans l'adhérence. L'armure, je sais pas trop ce que ça change. Vu qu'une fois qu'on prend un bonus dans les fesses, bah, on l'a pris, quoi. Donc je sais pas trop ce que ça change, pour être honnête. On poursuit. Ah, on a frôlé le filtre là. Retirez-moi ces bougies. Allez, le boost.
fini. Aïe, aïe, n'est fini. Allez, on poursuit. Est-ce que je n'ai pas relancé la même course? Je pense que je n'ai pas été sélectionné la nouvelle. Je pensais qu'en faisant A, il allait me la sélectionner. Oui, malheureusement. Pas grave. Suivez-moi. Je connais un passage. Alors, voilà. Course à élimination. Ah, bien. Ah, le retour du bateau monégasque. Il vous avait manqué. Alors, je sais pas si vous avez la qualité, si vous êtes en 1080. Il est marqué faux Rari sur l'arrière. FAUX Rari. C'est assez drôle. Vous en conviendrez. Alors, j'ai hâte de passer aux classes supérieures, pour être honnête. Voir un petit peu ce que tout ça donne. Mais je pense qu'on va attendre de gagner quelques petits bonus. Une question de bon sens pour voir un peu ce que ça donne. J'ai lâché une bombe, mais oui, quelqu'un l'a malgré tout récupéré. Oh, et on a perdu le bonus. Ouais. Alors, il faut vraiment, vraiment calculer son coût. Tu crois que je ne t'avais pas vu venir, petit filou? Oh, ça, c'était MLG. Oh là, par contre, les canettes, faut ranger, hein, monsieur, parce que ça devient n'importe quoi, votre bateau, là. Ah, j'ai balancé des glaçons sans rien faire. Mais en même temps, c'est un peu sur ce genre de soirée qu'on balance des glaçons sans rien faire. Évidemment. Un petit boost, là. On a mis un petit peu de... Ah, et on s'est pris enfin quelque chose. Alors, j'avais bien envie de... Voilà. Aller taper les glaçons. Ah, on a levé le carton. Alors, je sais pas si c'est un bug ou... Un petit boost, là. Et je passe entre les bonus. Je les vois, je passe entre les deux. C'est formidable, quand même. Dernier tour. Alors, est-ce qu'on a fait tomber quelque chose avec les glaçons? Oui. Et bah, c'est dommage. Ça m'apprendra. Alors, la petite roquette, c'est notre chance d'aller gagner. L'extérieur, la trajectoire est parfaite. On lui vomit un petit peu dessus. Et ça passe. Poursuite mode. Rattrapez vos opposants et foutez-les dehors. Donc, c'est un mode takedown comme on avait dans, évidemment... Burnout, évidemment. Vous m'aviez devancé sur ce coup-là. Alors, nouveau time trial. Bon, écoutez, pas vous dire que c'est redondant, mais quand même. Donc ça souffre bien des défauts d'un jeu de smartphone, c'est-à-dire, eh bien, oh, passe dans les boîtes là. Donc comme je vous disais, ça souffre bien des syndromes de jeux de smartphone adaptés, c'est-à-dire un manque de variété, manque de contenu différent. Il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a 12 voitures, peut-être 15. Il y a 4 pistes, 5 environnements, 4-5 environnements. Voilà, c'est pas... Alors à jouer entre potes, en splitté, why not? Après, y passer une soirée avec vos potes ou une copine ou... Ou essayer de draguer. C'est compliqué, quoi. Alors, le but ici est de rattraper la Cox, qu'elle n'a pas droit au bonus, ce qui nous permet tout simplement de la rattraper. Hop. Donc le but est d'être devant lui à la fin du chrono, j'imagine. Enfin, je pense. Par contre, là, j'aurais dû prendre la porte de derrière. Oh, allez, pluie de bonus. Donc c'est pas juste passer devant lui dans le temps imparti, c'est à être devant lui à la fin du chrono. Donc on a quand même 1 minute 25. Une fucking minute 25 à se taper avec la voiture derrière qui traîne complet, quoi. J'ai pas compris. Attends, qu'est-ce qu'il fallait faire? Poursuite. Oui?
Alors attendez, parce que là ça m'a échappé. Chasser les autres voitures et fait... Ah! Ouais. C'est pas juste les dépasser, il faut les foutre dehors. Et je voulais expliquer. Maxime, la qualité d'attention du notari sous blister, formidable. Allez Maxou, on se concentre. Alors là, ça s'appelle un bonus. Loupé, de chez Loupé. Voilà, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure et je pense que j'ai fait une bêtise, voilà. Au petit solo, là. Alors, freiner dans les airs ne change rien, ce qui est un gage de simulation dans ce Tabletop World Tour. En tout cas, c'est pas un mauvais jeu, hein, sincèrement. Ça va. Là, c'est pas une maniabilité dégueulasse. Je ne l'aurai jamais, hein. Je ne l'aurai jamais, c'est décidé. Je veux dire, c'est pas une maniabilité immonde, c'est précis, c'est sympa, ça se joue au pad. Sans autre prétention, ça va quoi. Après, est-ce que c'est un micro-machine ? Non ! Après, est-ce que je suis bon pilote ? Non plus ! Worst joueur ever. Alors, le but était donc de le smasher, j'ai bien compris. Hacker ! Hacker ! Ok, bah j'ai enfin compris le principe. Je plaisante, évidemment. Oui. Oui, alors j'aimerais bien sélectionner, merci, ce nouvel événement. Mon combat dans les 80s. Bon, écoutez. Je vous aime bien. Vous m'aimez bien. Jusque-là, pas de problème. Mais on va pas non plus faire des 100 et des 1000 sur ce jeu. Alors c'était une découverte, évidemment une preview. Alors difficile de faire un test, un avis, hein. C'est vraiment une preview pour le coup. Je vais pas y jouer 3 heures et après vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Premier ressenti plutôt sympa, ça va, c'est un bon jeu arcade évidemment. Petit manque pour moi de manque de variété au niveau des tracés pour le moment. La maniabilité est correcte, elle est précise, les bonus sont pas trop cheatés, ça va. Sincèrement, c'est assez bien équilibré. Après, voilà, ça reste du jeu de... Alors, Jeffrey, des glaçons, merci. Ça reste assez basique, mais c'est fun. La musique est sympa, pas de techno, pas de dubstep, pas cher. Franchement, on a vu pire. On peut chipoter, on aimerait bien que la musique corresponde à l'époque dans laquelle on est, ou que ce soit un peu plus accurate. Mais autrement, voilà, les voitures se laissent conduire, c'est plutôt sympa, voilà. Bon, écoutez, on va terminer cette course dans les années 80, qu'on va certainement perdre, hein, vu le niveau qu'on est en train d'aligner, là. Est-ce qu'on va récupérer... Ah, comme bonus, petite roquette, allez, salut. Non, bougez ! Bougez ! Dernier tour... J'espère pouvoir profiter de ce boost pour prendre les commandes. Oh, ça va être disputé cette histoire. Allez, tête de mort, on pourra pas aller chercher celui devant, donc c'est foutu quoi qu'il arrive, mais on peut faire P2. Oui. Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite découverte for you de Tabletop World Tour. C'est dispo donc sur PlayStation 4, Xbox One, et ici nous étions donc sur... À Paysay, merci de votre attention et de votre fidélité. Merci beaucoup. Bon amusement en piste, les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!